En venons donc au 7.01, hein, qui est la présentation du budget primitif, hein, qui suit les débats d'orientation budgétaire que nous avons eus. Donc je vais laisser le soin à Daisy de le présenter. Alors il y a eu un tirage au sort, donc 4 interviendront après la présentation de Daisy. D'abord le... Séance importante que le vote du budget, budget d'ailleurs qui a été voté à une large majorité, budget dans un contexte difficile, tant économique que social, mais nous l'avons voulu encore une fois, un budget qui corresponde aux besoins de notre département. C'est la raison pour laquelle ce budget est en hausse de 5,7% pour atteindre 1,6 milliard d'euros, et bien entendu un rythme important en termes d'investissement puisque nous allons investir plus de 307 millions. Jamais ce chiffre n'a été atteint dans un budget départemental. Vous dire aussi que nous avons donc maintenu nos efforts sur toute la partie collège, tant dans les constructions que dans les rénovations de nos collèges, avec bien entendu comme symbole le nouveau collège de Melun à hauteur de 42 millions d'euros. Mais bien entendu aussi nos routes, la mobilité qui est une de mes obsessions pour le département. Là aussi nous allons maintenir un rythme important avec plus de 80 millions d'euros pour la rénovation de nos routes, nous récupérons aussi la Nationale 4 et la Nationale 36, mais nous n'avons pas oublié aussi les mobilités douces, puisque nous allons y mettre 5 millions d'euros. Vous dire aussi que nous avons voulu un budget offensif pour nos concitoyens les plus fragiles. C'est la raison pour laquelle, tant sur l'handicap que sur la protection de l'enfance, que sur l'insertion, nous aurons des budgets qui seront à la hauteur des exigences mérité des Seine-et-Marnais. Encore une fois, dans un contexte difficile, nous avons eu une large majorité pour approuver ce budget qui se veut répondre aux exigences de l'ensemble des Seine-et-Marnaises et Seine-et-Marnais, nos jeunes, moins jeunes. Des défis nous attendent, on essaye d'y répondre et on essaye d'y répondre tous ensemble. Merci.